Salut à tous, Zenifex8, on se retrouve sur Rainbow Six pour découvrir ce nouveau pack stupéfiant pour Twitch. Et je t'avoue que c'est certainement l'un des plus beaux packs pour Twitch. Il est absolument magnifique, notamment le skin d'armes qui rend pas mal, et même la tête. J'ai pu l'avoir en jeu et le rendu absolument splendide. Donc je suis impatient de tester tout ça. Donc le pack stupéfiant, fait électrocuter vos adversaires avec le pack. D'ailleurs, il troll un petit peu, justement. Là, électrocuter vos adversaires, je t'avoue que ça fait marrer. Avec le pack, sachant qu'en principe, on est censé péter plutôt les accessoires que les adversaires, mais c'est pas grave. On a tous trollé un jour avec le drone Twitch, n'est-ce pas? Avec le pack stupéfiant. Pour Twitch, comprend son pendentif électrifiant, lui l'équipement de tête incognito, uniforme haute terre rosée, le skin d'arme luxe pour le fusil d'assaut F2. Voilà, magnifique. L'uniforme pas mal, la tête très très belle. Enfin, forcément, il y a des cheveux donc c'est un peu pixelisé, un peu comme ça, mais le rendu est très sympa. Le skin a l'air magnifique et même le pendentif a l'air vraiment cool. Donc, franchement, comme d'hab, on peut normalement les acheter séparément, juste le skin, que la tête, que le pendentif, comme d'hab. 1080 crédits R6 ou 40 500 de renommée. Achetons tout ça, je vais y arriver. Donc, électrifiant, incognito, haute terre et luxe, tout simplement. Vous n'avez pas assez de crédits R6. Ah, exactement. J'ai plus d'argent sur mon compte. Ah, bah, c'est problématique ça. C'est extrêmement problématique. Bah, il faut que j'aille en acheter. Voilà, j'ai crédité mon compte, c'est vrai que j'avais attendu en fait dans l'espoir que Ubisoft finisse par m'envoyer des crédits R6, je leur ai de nouveau demandé, mais comme à chaque fois, ils m'envoient, ils me disent oui, mais au final, il y a absolument jamais rien qui arrive, je trouve ça d'une tristesse, comparé à la pub que je leur fais, mais enfin bon, c'est comme ça, dans tous les cas, c'est acheté pack stupéfiant pour Twitch, je valide 1080 crédits R6, je prends enfin. Alors montre-nous un peu tout ça au niveau de l'équipement de Twitch, et vraiment cette tête a l'air bon, alors forcément on a un petit peu ça qui est déjà bien badass, mais je te cache pas qu'en termes de pack normal, elle rend super... Ah oh, j'ai pas vu le petit détail GIGN sur la tête, elle a effectivement la petite indication GIGN, enfin le petit logo, c'est classe. Alors voilà maintenant, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que le problème des cheveux forcément c'est que... Pas que ça consomme trop de ressources, donc c'est vraiment un peu dans les... Ça fait très, en fait, jeu des années, 95, non plus quand même, 2000. C'est-à-dire jeu des années 2000, mais il faut reconnaître que c'est classe. Sur l'ensemble, vous allez voir, ça rend vraiment très très bien. En plus, elle est très très belle. Mine de rien, quand tu vois ses yeux, ça ne déconne pas. Écoute, mademoiselle est plutôt de type très très joli. Alors, uniforme, montre-moi un peu ça, le petit skin qui va avec. Là, moi, quoi, j'ai que... T'es sérieux? Attends, Twitch, j'ai que 3 skins? Ah oui, c'est ça. Je n'ai que 3... What? Le Blue Orchid, je l'ai forcément acheté. Comment ça se fait que j'ai pas le Blue Orchid? Je l'ai forcément acheté, c'est obligé. Parce qu'il est noir, il est hyper badass. Ah bah écoute, peut-être j'ai une maquille, bizarre. C'est pas grave, dans tous les cas, je vous montre un petit peu, voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas l'uniforme, il est de couleur, tout ça. Je pense qu'avec l'uniforme noir, elle pourrait être un peu plus badass. Mais il rend très très bien. In-game avec la tête et tout, c'est un petit côté un peu féminin. Perso, je suis totalement pour. Je trouve hyper joli. Je vous montre un petit peu le zoom. En termes de détails, en termes de chance, ça fait un petit peu colorisme, plus féminin si j'ose dire. Et surtout le visage. Le visage est magnifique comme ça. Avec la petite cagoule et tout. Franchement, juste rien à dire. Ce pack est très très beau. Fin. De qualité, j'ai envie de te dire. Je vous montre un peu du coup l'équipement. Et c'est là que ça devient intéressant. J'ai un petit peu déjà le skin ultime, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas grave, le poudre d'or qui est tellement cool, c'est skin proline bien entendu. Mais regardez, le luxe. Il a l'air tellement bien. Ah oui, ça fait vraiment... C'est hyper féminin, ça veut dire les couleurs vont avec. C'est la même couleur que l'uniforme, je crois. Ça fait vraiment un peu, tu sais, sac Chanel, je sais pas, c'est à ce côté-là. C'est vraiment ce qu'il recherchait d'ailleurs. C'est à ce côté vraiment très très classe, avec le cuir un peu cuir couleur peau, enfin, avec les dorures et tout. C'est hyper classe. Ça fait vraiment sac à main, en fait. Sac à main, sauf que ça tue, écoute, c'est légèrement différent. Mais vraiment, le rendu est top. Un très très beau pack. J'ai pu le voir un petit peu in-game déjà. Mais je suis totalement convaincu. Vraiment, le pack est absolument magnifique. Le petit pendentif. Non! Par Panifex, les boulefs. Voilà, le petit pendentif, avec le cri d'ailleurs trivial que j'ai pu crier. Enfin, un cri crié. Bien sûr, Nifex, c'est bien. Dans tous les cas, électrifiant, montre-moi un peu la gueule du truc. Oh, il est badass! Il rend super bien. Bah, déjà, il est goldé, donc, enfin, en or, ça rend déjà super bien. Mais t'as vu la petite croix dans les yeux, la tête de mort et tout, qui est en plus inclinée. Ah oui, là je pense le pendentif est plus que classe, avec le petit truc pour l'accrocher en cuir, c'est super classe, qui reprend un peu la couleur du reste. Ah non, ils ont pas déconné là pour le coup, un pack de qualité. Je vous montre le tout, regarde-moi ça, elle est pas carrément classe comme ça. Ça fait très féminin, ça rend hyper bien. Ah j'avais fait gaffe avec l'icône Twitch, est-ce que les autres équipements, attends, est-ce que les autres uniformes ont également l'uniforme Twitch sur le côté? C'est une excellente question, montre celui de base. Est-ce qu'il y a l'uniforme? Attends, c'est la tête. Forcément, je ne sais pas le trouver. Mais c'est qu'on voit le logo Twitch. J'avais pas souvenir. Si, si, elle y est. On voit effectivement sur la sacoche en bas. Il y a partout l'uniforme Twitch. J'étais pas au courant, mais écoute. Ça rend carrément bien. Faut reconnaître, regarde ça. Franchement, c'est hyper classe. Avec justement l'uniforme qui reprend. Qui est un mélange de militaire avec justement cette couleur un peu couleur chair.
couleur peau qui va hyper bien avec le skin. C'est vraiment hyper classe. En fait, c'est vraiment genre le pack Coco Chanel. Ça fait un peu ça. Le truc très très classe. Ah non, je valide totalement. Allons voir in-game ce que ça donne. Mais je suis totalement hypé. Alors, montre-moi un peu ça. Oh oui, c'est classe. C'est hyper classe le skin. Ah ouais, c'est un de mes skins préférés pour Twitch. Vraiment, il y avait le... Comment il s'appelait? Le Cherbourg? Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Il y avait forcément le Pro League. Et maintenant, il y a également celui-ci. Là, c'est vraiment le top 3 des skins pour Twitch. Un perso qui est quand même vachement utilisé. Ah, il est magnifique avec les dorures. Le côté vraiment un peu sac à main. Très très classe avec le cuir hyper beau. Couleur peau à l'arrière. C'est magnifique. Le pendentif, montre-moi un petit peu. Bon, il est un petit peu éloigné. Mais il est très très beau aussi le pendentif. Pendentif comme ça, tête de mort, totalement doré. Oh oui, c'est un pack vraiment cool. C'est un magnifique pack. J'ai un petit peu au niveau des jambes. Ce genre de choses, montre-moi un petit peu le Twitch. Le rendu qu'il peut avoir. Et regardez la tête surtout. T'en tourne-toi pour qu'on voie mieux. Mais la tête est absolument splendide. Regarde ça. Ça, on voit super bien là. La tête rend tellement bien avec le casque et tout. C'est absolument splendide. Tiens, place-toi juste pour le plaisir, écoute. Et même l'uniforme, le tout. Ah non, mais rien à dire. Là, franchement, le pack, je vous le conseille à 300%. Vraiment un pack de qualité pour le coup. Avec, si t'es un fan de Twitch, ça fait totalement le taf. Ah, passionnant comme image de fin. Allez, go, on va chercher l'otage, on va ensemble. Mais vraiment, ce skin d'arme rend tellement bien. Je l'ai vu parce qu'en fait, j'ai un peu de retard. Que mon live d'ailleurs, je vous rappelle qu'on en live toute la journée, c'est pendant les vacances. Donc c'est pas à passer. Et j'avais vu du coup in-game. Et j'étais vraiment hypé. Mais là, franchement, pour le coup, le rendu est magnifique. C'est vraiment un de mes packs préférés. Donc vraiment content, écoute. En plus Twitch, du coup, il n'y a pas forcément tellement de packs. C'est vrai que j'en avais plein, mais non, pas du tout. En fait, j'ai que 3 uniformes. Donc, un peu étonné. Donc, vraiment content pour le coup. Un ensemble absolument parfait qui me fait le taf. Je remonte un petit peu au niveau du sol. Ah, je peux pas me coucher. Ouais, forcément, je peux pas me coucher avec. C'est plutôt normal. Là, j'ai quoi? Clémor. Tiens, je vais quand même poser la Clémor juste pour vous montrer. Je pense qu'on voit un peu quelque chose de spécial. Au niveau des mains, des gants. Ah, même les gants, en fait, reprennent les couleurs. Ils sont un peu couleur chair. C'est cool. C'est vraiment sympa. Fin. Ah, écoute, j'adore. Clairement, gros coup de cœur là pour le coup. Totalement fan de ce pack. Toi aussi, j'espère. C'est un côté vraiment très féminin, très classe. C'est vraiment pensé justement à ces marques de maroquinerie de luxe. C'est vraiment ça. Ils reprennent ce cuir très classe avec ses motifs. Et puis l'uniforme qui reprend justement cette couleur peau qui est splendide. Juste voilà. Ah oui, les gants, ils sont très très classe. Regardez les gants en fait, la forme qu'il y a. J'ai pas fait gaffe à ça. Ah oui, c'est vraiment une forme très particulière. C'est magnifique avec la couleur et tout. C'est waouh! Voilà, je me suis vraiment extasié sur ce pack. Du coup, vélo un peu long, plus long que d'habitude, mais j'ai totalement adoré. Je remonte un petit peu comme ça. Je peux que vous le recommander, que ce soit le skin d'arme, le pendentif, l'uniforme, tout est cool. Tout rend super bien sur ce petit Twitch. Donc, vraiment, je valide totalement. Fin. Du coup, les amis, pensez, c'est un petit pouce bleu, un commentaire, et nous on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos et d'autres lives. Ciao, ciao!